J'avais la chance de suivre une formation inédite, pensée pour des gars. Je m'attends à beaucoup. De vous en tant que groupe, mais de vous individuellement aussi. Et surtout, je vais vous voir profiter de cette opportunité-là, de cette formation-là, qui est unique. Personne d'autre va avoir la chance de faire et de suivre, à part vous. Comment, là, levez les genoux plus haut! OK! OK! Je vais être sous votre cas, vraiment. On back. Bon! Ouais. T'es derrière. Bon? Yes. OK. Quand? Elle? Oui. Ah! Je vais être là pour vous pousser, pour vous motiver. Mais je vais être aussi là pour vous ramasser quand vous tombez. Rappelez-vous, on vous regarde travailler, et c'est en vous regardant travailler qu'on pense ce show-là. Merci d'être là tout le monde pour la finale d'Île Danse. Pour une dernière soirée, j'ai encore ma job à faire en arrière avec les gars. Donc je vous laisse entre les mains de notre animateur, de votre animateur pour la soirée, Marc Labrèche. Merci!
Bravo! Bonne soirée! Bonsoir tout le monde! Amis du beau bouger! Là, évidemment, il y a peut-être des gens qui se demandent ce que je fais ici ce soir, c'est que... Non, mais c'est peut-être que vous ignorez sans doute ma grande passion, mon grand amour pour la danse, mais aussi pour tout ce qui touche les déhanchements de toutes sortes, évidemment. Et quand... Oh non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai donné dans le déhanchement tantôt. Je t'en donne tantôt. Quand mon nouveau ami Nico Archambault m'a téléphoné pour participer à l'émission, j'étais tellement excité. J'étais... En fait, depuis des années, je suis un fan fini de tous les commerciaux de bureaux en gros. Alors, vous décrire l'émotion que j'ai ressentie quand cet être extraordinaire, cet homme capable d'exprimer en ballet de jazz son amour pour une brocheuse, m'a contacté. Alors, ce soir, on a beaucoup de choses à faire. Alors, je vais être très court. Ce soir, nous sommes ici pour célébrer, évidemment, le cheminement de 10 jeunes danseurs fabuleux qui nous ont tenus en haleine pendant 3 mois grâce à leur... Oui. Oh, yeah! Grâce à leur passion, à leur persévérance et à leur collection de tucs. Alors, je vous invite d'abord à découvrir quelques-uns de nos danseurs dans des numéros solos, oui, qu'ils ont eux-mêmes chorégraphiés. Alors, c'est la première fois, après avoir dansé en groupe pendant des semaines et des semaines, que chacun d'eux va se présenter à vous en solo. On enchaîne. Je pense que ce que je vais plus me souvenir dans 10-15 ans, c'est vraiment les cours d'interprétation. Je sens vraiment que ça a changé quelque chose en moi. Puis pour être un danseur, il faut que tu ailles ça. Parce que si tu fais juste les mouvements, tout le monde peut faire les mouvements. Il faut qu'il y ait quelque chose qui est en arrière de ça. Puis je crois que c'est ça que le cours a apporté. Puis je sens vraiment que je vais m'en rappeler toute ma vie. J'avais peut-être pas toutes les techniques et tous les outils que j'ai maintenant aujourd'hui pour pouvoir faire tout ce que je faisais et tout ce que je voulais faire. Maintenant, en parallèle, le Sam d'aujourd'hui est maintenant plus en contrôle de son corps et c'est un peu plus ce qu'il peut faire et comment pousser ses limites. Je pense que c'est ça. Je pense que ce que je suis le plus fier, c'est d'avoir vraiment grandi en tant que danseur. Il y a des notions qui sont juste maintenant ancrées en moi. De ce que je retire de la danse, c'est un savoir que je ne savais pas avant. Et je me suis fait des amis. Ça, c'est ça que je garde très longtemps.
C'est beau comme on s'aime. Là, pour ma prochaine présentation, j'aimerais demander à notre batteur, Tony, de Magic Black Fingers. J'aurais peut-être besoin d'un beat pour me déhancher le bassin un peu, de m'enflammer. Là. Merci. Well, c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Je suis désolé. Alors, on va assister maintenant ensemble à un très étrange et très heureux mariage, puisque M. Yann Perrault... Oui, M. Yann Perrault va se joindre à nos danseurs pour un jive. Je vous invite aussi à remarquer parmi les musiciens le jeune batteur de la relève. Yeah.